Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, tu ne verras pas ma face à l'écran. Dans cette vidéo, je viens avec des images pour t'expliquer un des aspects basiques de l'astro. Donc cette vidéo appartient à la rubrique Essentials, qui est justement une rubrique où j'explique des aspects très basiques de l'astro, déjà pour que tu comprennes mieux, après parce que c'est intéressant, mais également pour que tu te saisisses mieux de ta propre carte à toi et que tu comprennes quand tu lis sur les transits astrologiques, quand tu lis sur les événements comme les nouvelles lunes, les pleines lunes, les entrées de planètes à certains signes, que tu saches où ça s'inscrit dans ta carte à toi ou dans celle que tu étudies. Parce que j'imagine que tu étudies celle de ton chéri, la chérie, les enfants, de la maman, etc. Bref, donc l'idée de cette vidéo, je l'avais déjà, mais disons que je me suis empressée de la faire parce que dans la semaine, je discutais avec une fille sur Instagram et je lui demandais dans quelle maison est ton soleil. Et elle me disait, ben je sais pas, mon soleil est en cancer et ben c'est la maison 4, non? J'ai bélier en maison 1 et cancer en maison 4. Et je lui disais, non mais ça dépend de l'ascendant, de ton ascendant. Elle n'avait pas l'air de comprendre c'était quoi l'ascendant et donc je me suis dit je vais faire une vidéo un peu freestyle en live sur Instagram pour lui expliquer et puis après je me suis dit mais non, je pense que cette info peut être utile à tout le monde donc je vais me préparer une petite présentation, c'est ce que j'ai fait et je vais faire ça en mode bien fait. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, je vais t'expliquer comment repérer l'ascendant dans une carte si tu ne sais pas le faire. Je vais t'expliquer également comment repérer les maisons et les signes qui sont en face. On va voir certains cas de figure rapidement. Ça ne va pas être du tout technique, ce truc, hein. Je vais essayer de faire le plus simple possible parce que je veux que ça soit à la portée de tout le monde. Et je vais aussi t'expliquer comment repérer les degrés pour que quand je te dise « Ah, la nouvelle lune se fait dans le degré 7 ou dans le degré 22 », eh ben, tu saches regarder ta carte et dire « Ah, ok, le degré 7, il est ici, le degré 22, il est ici. » Voilà. Donc, commençons par discuter pourquoi cette fille, elle disait « Ah, mais… » On n'a pas tous de bélier et tous de cancer en maison 1 et en maison 4 respectivement. Ben non. Je pense qu'elle avait en tête une roue de ce style qui est ce qu'on appelle une roue au repos qui nous sert de référence parce que c'est clair que dans la roue zodiacale, le bélier est le premier signe, le taureau le deuxième, gémeaux troisième, etc. jusqu'au 12e signe qui est le poisson. Mais lorsqu'on dresse une carte, que ce soit pour un événement ou pour une personne, avec une date précise, donc je parle de jour, mois, année, une heure précise en heures et en minutes, et un lieu précis, eh bien, la carte n'est plus au repos. Et cette carte-là, que l'on a dressée avec une date, une heure et un lieu précis, va avoir un point de départ. Et ce point de départ, en astrologie, s'appelle l'ascendant. L'ascendant est le point le plus important de la carte. Pourquoi? Parce qu'il marque le début de la carte. C'est comme la porte principale qui s'ouvre sur le thème complet. Il marque également le début de la maison 1. Et toutes les maisons vont suivre après celle-là. Comme par exemple, on peut voir dans cette carte que j'ai dressée, qui est une carte complètement aléatoire, sur laquelle tu peux repérer rapidement l'ascendant qui est marqué par cette flèche. Cette carte a donc un ascendant scorpion, 14 degrés du scorpion. Pour dresser cette carte, j'ai utilisé le site que je recommande dans ma vidéo où je t'explique comment dresser une carte de façon gratuite et facile. C'est le site astromail.fr. Il est très basique, c'est clair, mais franchement, si tu es débutant, il est très bien ce site, très utile, très facile pour commencer à travailler sur ton thème et pour commencer à comprendre, je ne peux que te recommander ce site-là. Donc bon, une fois qu'on a notre ascendant, qu'on a repéré l'ascendant, eh bien on voit comment les différentes maisons se suivent. les 12 maisons se suivent dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et les signes se suivent aussi dans l'ordre. Regarde, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, tu vois, ils sont toujours dans le même ordre. Sauf que, en fonction de l'ascendant, la roue commencera sur un signe ou sur un autre. Alors concrètement, cette roue commence à 14 degrés du scorpion. C'est-à-dire que la maison 1, qui est ici, l'énergie prédominante dans la maison 1 sera l'énergie du scorpion. Même si il y aura une énergie moins prédominante, mais aussi importante, sagittaire dans la maison 1. Alors, arrivé ici, je pense que, même si j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, mais je vais réexpliquer. Pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est la première qu'ils regardent de toutes celles que j'ai fait déjà. Chacun des signes est une énergie. Et chacune des maisons représente un secteur de l'expérience de vie. Pour ce qui est des maisons, je vais laisser dans les liens ici en dessous un article où il y a un document en PDF que tu peux télécharger complètement gratuitement, où j'ai fait une description de chacune des maisons que tu peux utiliser comme référence. Mais disons que les maisons nous servent à concrétiser les informations qu'il y a dans notre thème, parce qu'elles nous parlent de secteurs de l'expérience de notre vie, de domaines, d'aspects de nos vies. La maison 1 nous parle de nous, la maison 2 nous parle de nos ressources, la maison 3 nous parle de notre pensée, de notre style de communication, la maison 4 nous parle de notre vie intime, de notre maison, de notre famille, de notre rapport à nos traditions, de notre corps, parce que c'est quelque chose que l'on habite également, etc., etc. Je ne vais pas maintenant t'expliquer toutes les maisons parce qu'il y a déjà le document, donc va le télécharger si tu ne l'as pas encore. Et donc c'est grâce à ces maisons-là que nous avons comme une compréhension beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique, appliquée des informations que nous donne notre carte astrale. Et les signes sont des énergies qui colorent ces maisons-là, ces domaines de notre vie. C'est comme la décoration, si tu veux. Okay? Donc l'énergie, par exemple, du premier signe du zodiaque qui est le bélier, qui est très à la mode en ce moment parce qu'on est en pleine saison bélier, est une énergie très déterminée, très active, très courageuse, très portée vers l'avant et vers l'extérieur, très dans l'action, dans l'impulsion de faire. Qui, contrairement par exemple à l'énergie du taureau est une énergie beaucoup plus posée, beaucoup 1000 fois plus tranquille, beaucoup plus, disons, intériorisée, plus dans la réceptivité que dans l'extériorisation des choses, plus dans la permanence. Chacun des signes va amener une énergie à chacune des maisons. Je ne vais pas aller dans le détail des énergies de chacun des signes parce que ceci est déjà prévu et qu'il y aura au fur et à mesure des articles qui sortiront. Il y en a un d'ailleurs qui ne va pas tarder à sortir sur l'énergie bélier, parce qu'on est dans la saison bélier, dans chacune des maisons. Par contre, ce que j'ai fait, c'est préparer plusieurs cartes avec la même date mais différentes heures pour te montrer comme à chaque différente heure, l'ascendant change de place. Par exemple, ici, on a une carte d'une personne née le 20 avril 2019 à 7h du matin à Paris. Toutes mes cartes pour cet exercice-là, je les ai faites sur le site astromail.fr. Si tu vas dans la carte, tu vas remarquer que cette personne a un ascendant taureau. À 1 degré du taureau se trouve l'ascendant. Mais si on va à la même date, même endroit, mais 2 heures plus tard, l'ascendant n'est plus en taureau. L'ascendant est en gémeaux. Et si on va encore 2 heures plus tard, donc même jour, même lieu, mais 2 heures plus tard, à 11h du matin, l'ascendant n'est plus Gémeaux, mais Cancer. En fait, l'ascendant change de signe chaque 2 heures. J'ai fait encore quelques exemples, comme par exemple Même jour, même lieu, 13h. L'ascendant n'est plus en Cancer, mais en Lion. Et si on va à mon dernier exemple, qui est d'ailleurs la carte que j'ai utilisée pour la présentation, la même date, même lieu, 22h, l'ascendant est en Scorpion. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on change l'ascendant, la correspondance des maisons avec les signes change. Ici, on a une maison 1 en Taureau, une maison 2 en Gémeaux, une maison 3 qui commence en Gémeaux également, une maison 4 qui commence en Lion, maison 5 en Vierge. Dans la carte d'après, on a une maison 1 en Gémeaux, une maison 2 en Cancer, une maison 3 qui commence en Cancer également, une maison 4 en Lion. Et ici, on a une maison 1 en Cancer, une maison 2 en Lion, une maison 3 en Lion qui commence en Lion également. Tu vois? Et à chaque fois, les maisons s'organisent et se placent en face des signes. Et tout ça vient déterminer par le point de l'ascendant. Maintenant, quand on étudie... Bon, j'espère que cette histoire d'ascendant a été suffisamment claire. Sinon, tu peux toujours me laisser un commentaire. J'ai toujours pas compris et avec grand plaisir, je réexpliquerai, aucun souci. Quand on commence à se pencher sur les thèmes, on commence à observer des choses. Par exemple, ce qui est le cas dans cette carte, et je vais te l'expliquer en détail. Parfois, on a 2 maisons dans un signe. Et parfois, on a 2 signes dans une maison. Et ceci est totalement normal. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de grave, rien ne se passe. Par exemple, regarde. Dans ce thème en particulier, nous avons 2 signes qui contiennent 2 portes de maison. Ils contiennent la porte de la maison 5 et 6 pour le Bélier. Donc, il y a 2 maisons qui sont principalement dominées par l'énergie du Bélier, et notamment la maison 5. Parce que tu vois, la maison 6, il y a de l'énergie Bélier à l'entrée, mais après, tu avances dans les pièces et tu trouves l'énergie du Taureau. Mais la maison 5, elle est entièrement colorée d'énergie Bélier. Ceci veut dire quelque chose. Ceci nous parle d'une caractéristique particulière de cette personne. Tout comme en face, la maison 11, elle démarre en Balance, et la maison 12 également, même si en maison 12, on a quand même de l'énergie Scorpion. Mais par contre, la maison 11, elle est entièrement colorée par l'énergie de la Balance. Donc ici, tu as 2 maisons dans un même signe, d'un côté et de l'autre. Et quand tu as 2 maisons dans un signe, quelque part dans la carte, tu as 2 signes cachés. C'est-à-dire qu'on a 2 signes dans une maison, dont un qui est comme caché. Tu vois, normalement, les maisons commencent dans un signe et terminent dans un autre. C'est ça la normalité, si tu veux. Après, il y a des cas comme celui-ci où tu as des maisons qui sont exclusivement contenues dans un signe. Il n'y a pas d'énergie d'autres signes là-dedans. Et puis après, tu as des maisons qui commencent dans un signe, terminent 2 signes après et contiennent tout un signe à l'intérieur, comme c'est le cas ici. Ici, le signe du Poisson est entièrement contenu dans la maison 4. Tout comme en face, le signe de la Vierge est entièrement contenu dans la maison 10. La maison 10 commence avec une énergie Lion et termine avec une énergie Balance. Et à l'intérieur, il y a l'énergie de la Vierge. Voilà. Ça, c'est normal. On appelle ça des maisons ou des signes interceptés. Je ne vais pas t'expliquer aujourd'hui ce que ça veut dire, mais c'est juste au cas où tu te serais rendu compte. Dans le site dont je te parlais tout à l'heure, Astromail, j'aime bien parce qu'ils mettent des petits tableaux avec les signes, ils mettent des petits tableaux avec les planètes, les symboles des planètes, et ils mettent également un petit tableau pour te dire dans quel degré commence chacune des maisons, dans quel signe. Et bon, là, tu peux voir qu'il y a le signe du Bélier répété et celui de la Balance. mais tu ne trouveras pas ni le signe de la Vierge, ni le signe du Poisson ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont, comme disons, engloutis dans ces deux maisons. Je t'expliquerai plus tard, un autre jour, ce que les signes interceptés, comment les signes interceptés se lisent. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de mauvais et vraiment, ne t'inquiète pas. Voilà, donc jusqu'à présent, on a appris à repérer l'ascendant, on a compris que les maisons s'organisent après l'ascendant, dans l'ordre, donc de la 1 à la 12. On a compris que, en fonction de l'ascendant, on va voir un signe ou un autre qui se place en face de chacune de ces maisons. On a aussi découvert qu'il peut y avoir deux maisons avec la même énergie d'un même signe et un signe tout englouti dans une seule maison. La dernière des choses que je voudrais te dire sur les différentes maisons, c'est qu'il y a différents systèmes de calcul des maisons. Et aucun des systèmes n'est meilleur qu'un autre. Personnellement, pour en avoir exploré plusieurs, je trouve qu'ils marchent tous très bien. Sauf que bon, il s'agit d'outils. Et à un moment donné, il faut que tu choisisses ton outil et que tu maîtrises cet outil-là avant d'explorer ailleurs. Donc, si tu vas dans des sites pour dresser que ce soit ton thème ou le thème d'un événement ou d'une autre personne, tu te rendras compte qu'on va te demander quel est le système de maison ou de domification que tu souhaites utiliser. Alors moi, j'utilise Placidus qui est le plus, disons, utilisé, mais il y en a plein. Il y a le système des maisons égales, il y a le système de... Enfin, il y en a plein. Je ne vais pas non plus te bourrer le crâne d'informations qui ne te servent pas à grand-chose en ce moment. Mais dans tous les cas, si tu utilises le système Placidus, et moi je te recommande que tu l'utilises si tu débutes, tu vas remarquer que en fait, il y a des maisons dans le thème qui sont plutôt très grandes, tu vois, comme ici, une grosse maison, et en face, pareil, et des petites maisons, tu vois, la maison 6, elle est toute petite ici, et pareil avec la maison 12. Ceci est également normal. Il y a c'est pas parce qu'une maison elle est plus grande ou qu'elle est plus petite, qu'elle est plus dangereuse ou qu'il va t'arriver non. Ça se lit également. Je ne vais pas t'expliquer tout ça aujourd'hui parce que sinon cette vidéo elle va être longuissime. Mais sache que ce n'est pas grave, ok? Qu'il ne t'arrivera aucun malheur parce que tu as une petite maison ou deux. Les maisons elles sont en miroir, c'est des axes. Okay? Et donc, tu vas avoir une petite maison ici, et la maison qui se trouve en face sera également petite. Mais c'est normal. Finalement, je voudrais t'expliquer comment repérer les degrés dans une carte. Alors, il faut savoir que chaque signe contient 30 degrés, et que la totalité des 12 signes forme une circonférence de 360 degrés. Ça, c'est de la mathématique de base. Si tu regardes dans cette carte, ce signe par exemple, tu vas voir qu'il y a des petits traits. En fonction du logiciel que tu utilises ou du site que tu utilises, tu auras soit les marques des grandes marques pour les 10 et 20 degrés et des petites marques pour les 5, 15 et 25 degrés, soit des petits traits pour chacun des 30 degrés. Dans tous les cas, ces marques-là, justement, te servent à repérer les degrés. Par exemple, disons que ce thème est le tien, ok? On va partir du principe que ce thème est le tien. Je sais que ce n'est pas le tien, mais on va partir de ce principe-là. Imagine que je te parle d'une nouvelle lune qui arrive, la nouvelle lune en Sagittaire, et qu'elle va se tenir dans le degré 20 du Sagittaire. Donc, la première chose qu'il te faut faire, c'est regarder ta roue et repérer où se trouve le Sagittaire. Ah, il se trouve ici. Ok, très bien. Et après, combien de degrés? Degré 20? Ok, donc 10, 20, ici. Ok, cette nouvelle lune, pour toi, en partant du principe que cette roue, elle t'appartient, elle se tiendra dans ta maison 2. Donc, tes intentions de nouvelle lune, tu pourras les faire autour de tes ressources. de ton estime de toi également, de tes finances aussi, parce que les sous, c'est aussi une ressource, mais pas que, peut-être aussi dans la gestion de ton énergie, peut-être aussi dans la gestion de ton temps, de ton attention. Tout ça pourrait être des sujets pour toi de nouvelle lune. Si je te dis qu'il va y avoir une pleine lune à 5 degrés du Gémeaux, donc tu cherches dans ta roue le Gémeaux, ah, il se trouve ici, 5 degrés, c'est ici. Cette pleine lune dont je te parle, elle tombe dans ta maison 7. La maison 7 qui est la maison de ton rapport à l'autre. Cette autre personne qui est très importante pour toi, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ton mari, ton épouse, la personne avec qui tu as un rapport où il y a des accords, qu'ils soient tacites ou par écrit. Ça peut être également ton associé, ça peut être un client important. Et la pleine lune est un moment de compréhension. Donc tu sais que toi, ton moment de compréhension, il va être en rapport avec ta relation à l'autre, dans la maison des rapports significatifs. Voilà à quoi sert repérer les degrés. Repérer l'ascendant, comprendre comment s'organisent les maisons et les signes dans ton thème, te permet de mieux te connaître et de mieux comprendre comment les transits s'inscrivent dans ta roue. Je te laisse ici un petit tableau avec les signes du zodiaque, les 12 signes, pour que tu puisses les repérer dans ton thème, et les planètes aussi. Il y a aussi à considérer les aspects entre planètes. J'ai déjà fait un article un peu intro pour comprendre comment intégrer les aspects dans une carte, et je te laisserai le lien ici en dessous pour que tu puisses aller te renseigner. J'ai juste une dernière chose à dire qui est par rapport aux planètes dans les maisons. Nous n'avons pas tous des planètes dans les maisons. Il y a des maisons qui sont vides, si tu veux. Mais ce n'est pas parce qu'une maison n'est pas occupée par des planètes que cette maison, elle perd de l'importance ou que rien ne se passe dans cette maison. Parce que je vais t'expliquer un truc, je vais te donner un petit secret de l'astrologie, comme ça vite fait avant de terminer ma vidéo. Regarde, si on continue toujours de travailler avec cette carte. Nous avons plusieurs maisons qui sont complètement vides. En maison 11, il n'y a pas de planète. Et en maison 12, non plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout dans ces maisons. Déjà, il y a beaucoup à étudier par rapport à l'énergie des signes qui correspondent à ces maisons. L'observation que dans cette maison 10, il y a le signe de la Vierge complètement englouti, donc intercepté. Mais après, et c'est le petit secret de l'astrologie que je vais te livrer aujourd'hui, chacun des signes a un maître, a une planète maître. On peut savoir plus d'infos sur l'énergie qui colore chacune des maisons en allant regarder dans le thème où se trouve le maître de chacun des signes. Et le maître de la balance, c'est Vénus. Donc on s'intéresse à Vénus qui est par là. Donc, quand tu me dis, dans ma maison 7, il ne se passe rien, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est faux. Parce qu'il se passe des choses. Il faut juste avoir l'œil et savoir chercher. Voilà, je pense que je vais terminer ici la vidéo parce que sinon, ça va être un truc encore super long et que moi, je voulais que ceci soit plutôt léger et facile à comprendre. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, ça me fait plaisir. Partage avec d'autres personnes à qui ça pourrait aider également. Tu veux me dire un truc, me laisser tes questions, partager avec moi quoi que ce soit, ben laisse-moi un commentaire ou tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, je les laisserai linkés ici en dessous également. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.